passage du dernier bateau avant de reprendre le chemin de l'eau direction Cours-sur-Loire pour la pause déjeuner. Nous sommes toujours le 15 septembre 2023. C'est la grande remontée qui va faire un arrêt déjeuner à Cours-sur-Loire. Je suis descendu à terre pour faire quelques ravitaillements et j'ai découvert dans le village ce beau petit lavoir. Qui se trouve place de la Fontaine. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Donc, comme je vous le disais, nous sommes ici à Cours-sur-Loire et une petite présentation parce que cet accueil-là est quand même formidable. Tout le monde est satisfait, on est à l'ombre, ça fait du bien et on a de quoi manger. Tu peux présenter... J'habite Cours-sur-Loire depuis 5 ans, c'est un petit village de 260 habitants, situé au bord de la Loire, un ancien village marinier et de vignerons. Et c'est la deuxième année que nous accueillons les mariniers qui se dirigent vers le festival d'Orléans. Voilà. Alors, nous sommes toujours très heureux. Alors qui est-ce qui a participé? La commune. La commune a participé. Et puis des habitants du village, on a fait des cakes, on a fait des gâteaux. Moi je suis breton, j'ai fait du phare breton. Et voilà, pour vous accueillir du mieux possible. Voilà. Super, merci. Bon, la pause déjeuner est finie, nous quittons donc Cours-sur-Loire, prochaine étape, Saint-Dié. Il est environ 15h et on doit arriver à Saint-Dié vers 17h. Voilà, là on est passé dans un endroit où il y avait des hautes herbes. Et les hautes herbes sont dans les hélices. Donc à un moment on fait un petit arrêt et tout le monde enlève les herbes qui sont coincées dans l'hélice. Bon, ça ne prend pas longtemps mais il faut le faire. Voilà, une fois que c'est fait, on peut repartir. C'est parti de quoi le scut? Le scut c'est parti de quoi? Le scut c'est parti d'une découverte archéologique en Loire, au Grand Hérault je crois, Maine-et-Loire, par un archéologue fluvial de renom qui s'appelait François Baudouin. Oui, François Baudouin, voilà. Qui a donc fait des études sur le scut et qui a, avec ses connaissances archéologiques, essayé de
reconstruire le Scut, son histoire et sa construction et son architecture et tout ça. Mais tout ça, c'était fait que sur papier, que sur dessin, etc. Voilà, ben là on arrive à Saint-Denis. Notre lieu d'escale. Saint-Dié, nous voici, Saint-Dié, nous voilà. On va continuer de descendre et là on va avoir une multitude de choix entre le Vouvray, le Mont-Louis. Madame commence à être gourmande. Et on va changer de cépage avec le roi des cépages pour les bulles. Le Vouvray. Eh, mais le cépage. Essayez de réécouter un peu. On se demande pourquoi dans les classes ça ne suit pas. Mais même les grands-parents s'y mettent. Le Chenin. Et il est de réputation mondiale que tous les vignerons de Loire sont des bandits de grand chenin.